Vous regardez M6 Info. Même voix, même look, même gestuelle, même dentition proéminente. Rami Malek, acteur américain de 37 ans, jusqu'ici surtout vu dans des séries télévisées et des seconds rôles au ciné, s'est littéralement métamorphosé en Freddie Mercury, l'emblématique chanteur du groupe Queen. Ça a été beaucoup de boulot. J'ai pris des cours de piano, des cours de chant. J'ai aussi travaillé avec une prof de mouvement pendant des heures. Tous les jours, pendant presque un an. Le résultat est absolument bluffant, comme pour cette reconstitution du mythique concert de 1985 à Wembley. Artiste américain d'origine égyptienne, l'acteur s'est identifié à la star britannique née Farrokh Bulsara à Zanzibar, de parents originaires d'Inde. Oui, ça a du sens, mais lui, il a dû surmonter bien d'autres choses, comme d'assumer son identité sexuelle à une époque où ce n'était pas facile, même si ce n'est pas si simple aujourd'hui. Freddy, et votre vie privée ? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Je fais de la musique. Le film nous plonge dans l'intimité de l'artiste et dans les coulisses du groupe Queen. On assiste même à la création de quelques-uns de leurs plus grands tubes. Refais-nous ça. Un petit dernier. Il va t'en falloir combien des Galiléo ? Des chansons aujourd'hui devenues cultes.